Madame, Monsieur, bonsoir. Protection des ressources halieutiques. La commission sous-régionale de la pêche se penche sur la question afin de valider les études menées en Guinée-Bissau, sur l'Ep Malose. C'est un petit pélagique menacé par les changements climatiques à la Mine Touré. L'Ep Malose fait partie de la grande famille des petits pélagiques. L'espèce est menacée, surtout avec l'effet des changements climatiques. Heureusement que les pays de la sous-région veillent à la préservation du produit avec l'initiative de la Commission sous-régionale des pêches. Une politique d'harmonisation des actions est en vue pour conserver l'apport inestimable du secteur à l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas une gestion concertée de ces ressources. C'est une ressource partagée et chacun y va de son côté. Et vous savez qu'en matière de ressources partagées, une gestion concertée est tout à fait nécessaire. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons essayer d'harmoniser les positions pour la gestion de cette ressource ô combien importante. Cette rencontre, la troisième du genre, va permettre aux acteurs de valider le travail scientifique réalisé sur l'Ep Malose. C'est dans le cadre du comité consultatif régional pour une gestion durable des petits pélagiques. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer oblige les États à se concerter au niveau des stocks communs, des gestions des stocks communs. Et les petits pélagiques constituent les stocks communs pour notre écosystème soumis à l'upwelling. Aujourd'hui, les océans se voient agressés de toutes parts. Ces agressions sont soit d'origine naturelle, soit d'origine anthropique. Pour l'origine naturelle, l'homme ne dispose que de la possibilité d'adaptation pour assurer sa survie. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a pris de bonnes dispositions institutionnelles. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a procédé à la mise en place par arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un organe ad hoc au sein de la direction des pêches maritimes, dénommé Comité consultatif national de gestion des petits pélagiques. Ce comité technique national est chargé, entre autres, de suivre l'état des stocks des espèces des petits pélagiques, de promouvoir une gestion participative, de mettre en place des mesures d'autorégulation, de renforcer les capacités des pêcheurs sur la gestion de ces espèces et leurs responsabilités pour le respect de ces mesures. La troisième réunion du comité consultatif régional pour une gestion durable des petits pélagiques est un cadre élargi d'échange et de partage. Les décisions prises dans cette instance sont aussitôt transmises à la base.